Salut, je m'appelle Alia. J'ai été victime de harcèlement. Je vais vous raconter mon histoire. Passe son téléphone. Et si j'avais prévenu mes amis? Tu vas voir la prochaine fois. Y a pas de prochaine fois. Si tu vois, je vais finir pour Zahir Al-Mahdi. Il a dit ça. Et j'ai juré qu'il va faire. Il a dit, moi, Zahir. Elle est trop noire. Et si j'avais prévenu le professeur? Hé les amis! On est juste au téléphone là! On n'a pas! Hé, y'a le prof, y'a le prof! Bonjour monsieur! Qu'est-ce qu'il y a, Lia? Pourquoi t'es encore debout? Y'a un problème? Il m'a volé mon téléphone. Ah bon? Qui t'a volé ce téléphone? C'est eux là! D'accord! Elle. Vous allez me sortir tout de suite le téléphone. Et dépêchez-vous. On n'a pas de téléphone. Vous allez avoir des problèmes. On n'a pas de téléphone. Vous me donnez? On n'a pas. Merci. Wassim, tu m'accompagnes ces trois personnes-là chez la CPE directement. Ouais. Allez. Et que ça se passe. Vous autres, vous sortez votre livre. Pas 122. Tu fais comment maintenant, il y a le prof, hein? Il y a personne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a pas de code en plus. Snap. Reste pour moi ça. Et si j'avais prévenu mon père? Pourquoi t'es encore debout? Tu dis t'es morte. Voici, tu m'accompagnes ces trois personnes chez CPE. Alia, tu perds ton téléphone. C'est moi qui as sorti. Les élèves, sortez votre livre, page 122. Et pardon. Avant le contrôle. Bah oui, là c'est la grande leçon avant le contrôle. Non. Contrôle. I don't give a damn about them. I'ma do me. Se taire, c'est se laisser faire.
Et si, comme moi, vous êtes victime d'harcèlement, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou appeler les 30-20. Thank you.